J'espère que vous allez bien. Nous on galère toujours autant avec ce câble HDMI qui merde. Donc faudra que je pense à investir. Alors. Bon, vraisemblablement on a pas mal. Regardez ce qui traînait. Après il y a peut-être là. On n'est pas allé là. Il a peut-être coupé des trucs. Ah, alors c'était pas par là que je voulais aller du coup. Juste par là. Merde. Vraisemblablement, il n'y a pas grand chose. On ne sait jamais. Ça c'était fait. Ok. En vrai, je m'étais arrêté au vaisseau, je crois, à la dernière sauvegarde. C'est là que j'aurais dû aller. Parce que je suis allé là. Ah bah oui, évidemment que je suis allé. Pause détente. Comment ça, pause détente? Oups là. Alors pour se casser, c'est là. Ah. Mon tourisme est mis à jour, je suis ravi. C'est là. Hop. Comment ça va, mon chou? Comment ça va? Juste, j'ai déjà parlé en partant la dernière fois. Je vais... partir à l'aventure, je sais. Oh, comme c'est excitant. Je vous souhaite bon voyage et bonne chance à tous les deux sur la station Kedar. Comment il savait? Je me pose sans arrêt cette question. Donc ça, on avait eu et on s'est arrêté là, voilà. Alors... le quartz phasique vous attend, Rivette et Clank. J'ai pas pu tout récupérer, hein. Il manque des trucs, mais c'est pas très grave. Allez, Blizzard 1. Let's go. Sur Sargasso, tu disais avoir donné le dimensionnateur à Ratchet pour qu'il puisse trouver les autres Lombax. J'aurais jamais cru en rencontrer un autre. Encore moins retourner chez moi, si on peut dire les choses comme ça. Tu crois vraiment que c'est possible? Non. Non? Non! Wow. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je n'en suis pas très sûr. Salut Louise, ça va?
Ah, alors c'est pas la bonne arme. Voilà. Eh ben moi aussi. Quelle sensation exaltante. Wow. Autre dimension. C'est la tienne, tu crois? Non, mais nous y trouverons du quartz phasique intact. Partons à la recherche des mineurs. Tiens. Cela ne me dit rien qui vaille. Je crois qu'on ferait mieux de se concentrer sur les crabes toxiques d'abord. Tiens. C'est quoi ça? Une secousse sismique, peut-être causée par l'effondrement des frontières entre les dimensions. Donc c'est mauvais signe. Bon, ça fait rien ça. Enfin. Il faut qu'on passe de l'autre côté de cette fenêtre pour actionner le déverrouillage. Encore un truc dimensionnel? Oui, la situation est de plus en plus instable. Cela explique pourquoi la mine est désertée. Alors. Les raffineries échangées, mon chou. À 10 000. Par contre, j'ai. Ouais, j'ai zéro. Cristal de bidule. Merci de ta visite, mon trésor. D'accord. Qui c'était? Est-ce que tu sais de quoi elle parlait? C'est certainement une survivante de ce qui s'est passé. Bon, il nous faut un autre cristal de blison. D'accord, mais on va où? Ah, c'est là-bas. Je bête. R pour viser une surface magnétique, rond, cémenté à la surface magnétique. D'accord. Avec la gravité toute pétée, c'est tout bizarre. Les gars. C'est réglé. On va le trouver comment, notre quartz phasique? Nous devrions nous adresser à un mineur ou un ingénieur dans la dimension intacte. C'est vraiment ultra stylé, bordel. Bon, le problème c'est que c'est pas très lisible du coup. Elle envoie ce message dans l'espoir que qu'elle entende. Nous y réfléchirons après avoir récupéré le quartz. Vas-y. Le quartz phasique.
Alors. Une flamboyante journée sur Blizzard. Oh, on est coincé ici. Ah ah, c'est bon. Verrouillage désactivé. Passer une flamboyante journée sur Blizzard. Ah, j'ai trouvé un crack beer. Crack beer. Bonjour monsieur. Une secousse sismique a détruit le pont. Je suppose qu'on va devoir faire le tour. Ouais, ouais, on fera le tour, on fera le tour. Là, de l'autre côté, une plateforme de forage. Ah! Bien, quel con. Excellent travail. Maintenant, tâchons d'atteindre la crête. Nice. Oh non. Et où? Sérieusement? C'est maintenant qu'on s'en rend compte? Ennemi en approche. Ces mercenaires chassent toujours en meute. Merde. Il prend un coup dans la gueule. Les Vroom Goons sont peut-être forts. Veuillez garder vos mains et vos pieds à l'intérieur. Ah mais je voulais récupérer des trucs. Merci du coup de main, Boulon. J'ai pas vraiment l'habitude. Nous devons trouver un moyen d'extraire le quartz phasique. La foreuse géante peut-être. Trouvons quelqu'un qui nous aidera à y accéder. Ça, c'est des gentils. Oui. Le centre d'exploitation. Quelqu'un ici pourrait nous orienter vers la foreuse. Le poste de contrôle de l'ingénieur en chef devrait être tout près. Je parie que t'es incollable sur les mines. En effet. Par exemple, sache qu'un mineur passe en moyenne 72% de sa vie sous terre. Oh, c'est vrai? Non, mais je voulais satisfaire ta soif d'anecdote. Ces gens ont l'air tout aussi déroutés que nous. Séisme, verrouillage, faille interdimensionnelle. Je peux les comprendre, mais on a besoin d'une foreuse. Dépêchons-nous. Ce qui est arrivé sur Blizzard dans ma dimension pourrait se produire ici. Alors que je casse sous leur matos. Que vois-je? Ah oui, le truc pour changer de dimension, il est là-haut. Comment je l'atteins? Hmm.
Madame Ned. Alors que nous avons une quête secondaire. Si vous allez par là, ça vous embêterait pas de chercher le chef Tullio. Ça fait à peu près une heure qu'elle aurait dû revenir avec les ingrédients. Elle est peut-être blessée. Pas de problème, j'ouvrirai l'œil. Merci, c'est gentil. Ces mineurs ont une rue de journée. Alors on va leur mitonner de bons petits plats pour les requinquer. Qu'est-ce que c'est que cet accent? Je crois que je capte un message radio. Vous là, avec la fourrure et les oreilles. Dites-moi donc, que diriez-vous de participer à la création du nouveau plat du siècle? Ne répondez pas, c'était une question purement rhétorique. Contentez-vous de grimper à la crête de cristal, qu'on puisse commencer. Le chef Tullio, je présume? Elle n'a pas l'air blessée. Je me demande ce qui l'empêche de rejoindre les mineurs. Aïe! Minute. Comment fait ce calier robot pour flotter? J'avoue, comment tu fais? Ah. Oui. Ah, on pouvait voir les plateformes. Oh, ça, c'était pas trop dur. Wow. Attends. Ça ressemble bon, c'est plus pour revenir en arrière que... Merde. Ah. Allô. Allô. Et là. Ah mais il y a un bumper là. Ah. Oh, oh. Aïe. Ok, what else? Ah. J'ai une belle occasion de trouver ma brique. Ne t'attends pas, au nom de notre vénérable empereur.
Bah ils sont marrants mais je peux pas viser de ce côté là. Ah merde. Je pense que c'est pour revenir. Oups. Ok. Pour préparer ma recette ultime, je dois récolter le miel syringien juste en dessous, avec 7 aspidomiles. Mais cela me demande une extrême concentration. J'ai donc besoin de quelqu'un pour me défendre contre ces réfractaires à l'art culinaire. Si vous souhaitez entrer dans l'histoire de la gastronomie, actionnez ce levier pour commencer la procédure d'extraction. Alors, quel est le menu? À vrai dire, je n'ai pas souffert ces derniers temps, alors je... Il faut que la machine chauffe quelques instants avant d'être utilisée. Alors faites donc le nez pendant ce temps-là. Ah, les voilà qui arrivent. Par la gauche. Appuyez sur le bouton de ce côté-ci pour activer mon piège. Extraordinaire! Je ne supporte pas l'odeur des pesticides, alors j'ai eu une brillante idée. Un petit retour aux sources, avec un barbecue! Ah! En voilà, par la droite! Vite, activez le piège à droite, avant qu'il n'endommage la fille de mille et qu'il détruit ma mule! Les pièges protègent l'aspi de mais ils mettent quelques instants à se réinitialiser. Il ne faudrait pas qu'ils surchauffent, au moins. Et pendant ce temps... Et voilà ce qui ouvrira le menu. Comme on dit dans le monde de la cuisine, la mise en bouche. À présent, préparez-vous pour le plat principal. La mise en bouche. Aïe aïe aïe, y'a plus de mune. Merveilleux. Oui hein. Oh oui, je sens qu'une idée est en train de germer quelque part. Une fricassée.
glacé au miel de poisson globe. Quel boisson associé à un tel plat? Il m'en faut plus d'inspiration et plus de miel. Allez, pense à tous ces mineurs affamés, Rivette. Il faut les aider. Ah, salut. Magnifique. Oui, oui, oui. Le poisson sera de l'hydromel scientifié au magma. Mais attention, ces mineurs ont bien mérité un dessert aussi. Ce qui signifie qu'il va falloir souffrir une dernière fois. Encore ? Nice. C'est bon, c'est fini. Ah tiens, j'avais oublié de trouver ma cam. Mes variations culinaires autour du miel seront divines. Quelle souffrance! Vous n'avez rien fait. Je vous remercie pour votre aide. J'espère que cela vous inspirera dans votre propre domaine artistique. C'est cela, oui. J'en ferai des chansons. Je suis contente que les mineurs puissent enfin se remplir l'estomac. Bon, comment je fais pour les rejoindre? Oh, ce cycle de taxi devrait faire l'affaire. Nice. En parlant de nourriture, Non. Je me demandais qui cuisinait le mieux, toi ou Ratchet? Oh, il n'y a pas de compétition entre nous. Toi, pas vrai? C'est sûr. J'ai rien oublié d'autre, apparemment.
Bon, j'ai assez de thunes pour acheter le dernier truc. Oh, pardon. Je vois que tu sais reconnaître un bon produit. Ça, c'est encore bloqué. Oh. Ça fait quoi? Augmente la portée des tirs. C'est une de nos meilleures ventes. Nice. Cette arme a un besoin urgent d'amélioration. Ah mais ricochet, je l'ai pas mis à fond encore. Le ricochet fait plus de rebond pour chaque tir. Bien. Il y a une ogive qui creuse pour atteindre l'ennemi plus vite si la cible est verrouillée et blabla. On essaiera. Ah, je peux pas y aller. On pourrait peut-être y aller plus tard. Ça c'est verrouillé. Bon bah allez. Je crois que nous approchons du poste de contrôle. Les décorations sont légèrement plus colorées que dans ma dimension. Boulon, concentre-toi. Oh, toutes mes excuses. Vous cherchez l'ingénieur en chef ? Prenez l'ascenseur pour accéder au site. Merci. Merci. L'effondrement dimensionnel semble s'accélérer. C'est plutôt joli. Mortellement, effroyablement joli. Ouais, précise, hein, ça peut être mal pris. Tiens, ça doit être l'ingénieur en chef. Bonjour. Bonjour. Ah. Vous entendez ça? Non. Des voix. Ça fait pas très longtemps que je les entends, mais à chaque fois c'est au même endroit que ces trucs violets. D'abord les séismes, le blison, et maintenant ça. J'entends rien du tout. Sauf quelqu'un qui vous demande si vous allez bientôt extraire du quartz phasique. Pas tant que ce mystère n'aura pas été résolu. Si ça se trouve, tout le site de forage est hanté. C'est pourquoi j'ai envoyé mes robots scientifiques scanner ces choses violettes. Et alors ? Il faut que j'aille les récupérer. Quand il n'y aura plus de danger. Pourquoi attendre? Je vais trouver les robots et les ramener ici sains et saufs. Ces robots ont intercepté un message de ta dimension, peut-être envoyé par la personne que nous avons rencontrée. Ils nous aideront peut-être à comprendre ce qui s'est passé là-bas et à éviter que ça se produise ici. On y va. Peut-être bien. Je suis désolée que Ratchet et toi soyez séparés. J'aurais dû prévoir que tout cela finirait mal. Le dimensionnateur est trop puissant pour être exposé aux yeux du monde. Pourquoi j'ai que deux armes là ? Très étrange. Ah.
Ok, j'ai compris pourquoi. Trop cool. Bien. Du coup, c'est pas à droite puisque je peux pas passer. Ça doit être là alors. Je suis sûr qu'ils écoutent ce qui provient de ces choses violettes. Les secousses sont de plus en plus fortes et fréquentes. Prudence, évitez de trébucher, de glisser ou de casser quoi que ce soit. C'était trop demandé de trouver des quartz phalliques sans devoir survivre à des phalliques et à de la lave. Pas mal ça. C'est pas mal ce gun. Ça me plaît en tout cas. Pareil, ok. Dépêchez-vous, l'odeur du poil brûlé est horrible. Bah merci. Ouais, bah, deux secondes. D'accord. Donc, à la suite c'est là. Waouh. C'est vrai. Nous devrions rester sur nos gardes. Je suis en surchauffe. Si seulement je pouvais transpirer, je dois fuir. Je vais lui envoyer un signal pour qu'elle revienne. Je crois qu'elle a intercepté un fichier audio. Je le décoderai au plus vite. Il y a un ancien labo un peu plus loin. Connaissant Jim, c'est là qu'il a dû se rendre en premier. Jim ? Ah, je vois, un autre robot. Compris. Accélère! Accélère!
Putain, tu m'as fait tellement peur, Axel. J'étais tellement focus, comment tu vas? Je crois que tu l'as vu, hein, que j'étais focus. J'ai pas... Non, j'en ai plus. Après, pour le DLC? Bah, écoute, ouais, j'attends que ça. Ouais, je sais. I know, Jude. Si vous laissiez tomber, franchement, ça m'arrangerait. Donc ouais, j'ai bien hâte, hein, bien sûr. Je pense que je referai une run de zéro pour l'occasion. Et toujours pas de date de sortie. Oh, ça chie ça! Ah zut. Là, derrière la vitre. Ah oui, effectivement. Fait référence au protocole de sécurité, j'y suis moi-même assez réfractaire. Il peut s'agir de n'importe quoi. Oups. Identification, entité non hostile. Bonjour, êtes-vous ma nouvelle meilleure amie? Bonjour Jim. Non, tu devrais plutôt rejoindre l'ingénieur en chef. Demande d'amitié, refusé. Retour à l'ingénieur en chef. Oh. Oh. Jim. J'espère qu'il a bien intercepté des messages interdimensionnels et qu'il a pas passé son temps à chercher des amis. Il est parti où ce con ? Ici, y a rien. Tu vois quelque chose par là? C'est ton bac. Oh, raté. Hop. En tout cas, pour le moment, ce Ratchet & Clank est très cool, mon cher Axel. Si jamais tu aimes le genre, bien évidemment. Est-ce que tu soupçonnes tous les gens que tu rencontres de travailler pour l'Empereur Nefarious? Presque tous ceux que je rencontre sont des agents de l'Empereur Nefarious. Ah, tu marques un point. Paf. C'est moi ou c'est un peu le même système que Dead Space que je viens de faire. Les plateformes de forage, ou du moins ce qu'il en reste. Je suis prête à parier qu'il y a des failles dans le coin. Vous trouverez forcément les robots.
Ouf. D'accord, mais ça me servait à rien de venir là. Là par contre. Là ça pourrait me servir. Là-bas j'y suis déjà allé. Hop. La plateforme, mais le robot en état de marche se trouve dans la dimension intacte. Ouais, il y a quelque chose qui nous échappe. Je pense que c'est un rapport avec ça. Merde. Là, pourtant je les connais ces connards. Hein. Voilà. Alors. Aïe. Hop là. Aïe. Ah merde. Prépare-toi à ton incinération. Oh non, nous sommes en flagrante infériorité numérique. Roussis les poils. Merde, mais je suis trop con. Oui d'accord, j'ai un level en plus, mais... Voilà. Mur de protection désactivé. Merci. Et passez une flamboyante journée sur le radar. Oh, Alexa, il va me falloir un peu plus de temps pour déchiffrer le message. Mais vous pouvez quand même vous servir de la foreuse. Jean vous y conduira. Jim, you here. Et lui ? Bonjour, non.
Êtes-vous ma nouvelle meilleure amie? D'accord. Oui, de bonne heure. En gage d'amitié, je vous conduis à la foreuse dédiée à l'extraction de quartz basique. D'accord. Oh, je sens mal. Cette anomalie dimensionnelle est identique à celle que nous avons vue sur Sargasso. Cool. Ça veut dire que tu peux t'en charger? En ma qualité de meilleure amie, je vous informe que l'intégrité dimensionnelle a pu affecter la foreuse. Comment ça? En ma qualité de meilleure amie, je ne souhaite pas vous alarmer. Aussi, je n'en dirai pas davantage. À la place, interlude musical. Personne n'utilisera la foreuse tant que le système de lubrification. L'application sera bouchée. Que diriez-vous d'aller au karaoké ensuite? Aimez-vous le karaoké? Si vous n'aimez pas, je n'aime pas non plus. Prêt à résoudre un autre problème dimensionnel? Je m'en occupe. C'est ainsi que nos chemins se séparent, mais nos âmes resteront à jamais. Et au revoir. Ah! Je viens de voir Ratchet sur sa valise! Vraiment? Et comment va-t-il? Bien, moins constant que je le pensais, mais parfaitement héroïque. Mais je digresse. Tes possibilités attendent que tu les guides jusqu'au méta-terminal. Avec un tel vent, mes possibilités sont dans l'incapacité d'avancer. Existe-t-il un moyen de les lester? On va voir ça tout de suite. Oh, une sphère de poids. Elle alourdit tous les objets qu'elle touche. Ce qui paraît évident quand on formule comme ça. Je sais plus quel bouton c'est. Curieux. Qu'y a-t-il dans votre livre? Oh, c'est le recueil de savoir le plus actualisé de l'univers. Tel que constitué par mon père. Qui est votre père? Je crois que toi, tu l'appelles le plombier. Le plombier? C'est votre père? Et que devient-il? Il est parti en vacances. Pour la première fois. Il m'a laissé les clés et j'essaie de faire de mon mieux. Mais c'est une énorme responsabilité, même quand l'univers n'est pas en danger. Ok, je suis con. Attendez. Et d'où vous vient ce titre de prophète? Oh, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Ce sont les moines de Savali qui me l'ont donné quand je les ai aidés à déchiffrer une partie de leurs archives. Comment les y avez-vous aidés? Oh, tout ce que j'ai fait, c'est énumérer ce que j'ai vu. C'est un annuaire téléphonique blarguien. C'est une dent de Kershou. C'est un poème romantique de Terraclan. Lol. Y'a un bug là. Bon, c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai. Bon, je reste là. Ok. Alors il faut que j'écrive ça, car c'était tout simplement phénoménal, Clank. Il n'en reste plus que deux. Alors. Comment ça se passe avec Rivette? Ça va, elle a piraté mon cerveau pour fouiller ma mémoire. C'est ainsi que s'occupent les jeunes de nos jours. Je me sens tellement vieux d'un coup. Ce qui est intéressant, c'est que Ratchet et Rivette sont étonnamment différents pour des doubles dimensionnels. Ratchet n'éprouvait aucune méfiance à l'égard des robots quand nous nous sommes rencontrés. Rivette, en revanche... C'est peut-être sa dimension qui diverge. Peut-être que tous les Ratchet des autres dimensions n'aiment pas les robots non plus. Alors je pense que je dois mettre ça là. Ah. Voilà. Voilà un bon moyen de dire les choses. Mmh.
Pardon si j'interromps ton processus, mais je crois qu'il y a d'autres sphères à trouver. Ouais, ouais, bah j'arrive. Alors, en fait, faut que je reprenne celle-là. Hop. Que je mette celle-là là. Voilà. Mes possibilités sont une représentation visuelle de mon esprit tentant d'appréhender la dimensionnalité. Plus je les aiderai à se frayer un chemin, et plus je comprendrai et serai en mesure de tout réparer. Alors. Là, ils ont besoin de... ça ici. Ensuite, ça là. Il manque quelque chose. Ah bah oui. Aïe. Ah, normalement ça passe. Bravo. Voilà. Je n'aurais jamais pensé à utiliser la sphère comme ça. Ensuite. Y a-t-il quelque chose chez Ratchet et Rivette qui soit pareil? Eh bien, ils sont tous deux très prompts à passer à l'action. Contrairement à moi, qui ai tendance à m'empêtrer dans les détails. Et tu aimerais peut-être fonctionner différemment. J'exagère un petit peu, mais c'est vrai que j'apprécierais de ne plus m'inquiéter autant. Pardon si j'interromps ton processus, mais je crois qu'il y a d'autres sphères à trouver. Ouais, je sais, mais t'inquiète. J'observe. Aïe. Ouais, d'accord. Et si je fais ça, c'est débile. Ça fait l'effet d'un remontant. Permettre une petite suggestion, il serait peut-être judicieux d'explorer la zone en quête de sphère. Mais c'est ce que je fais. Oh, Clank, je crois savoir comment t'aider avec cette tendance à t'empêtrer dans d'infinis détails. Il te suffit d'être plus confiant. Que voulez-vous dire? S'il y a une chose que mon père m'a apprise, c'est qu'avoir l'air de savoir ce que tu fais peut te mener loin dans la vie. Et ça, et une seule chose. Alors moi je pense, je peux mettre celle-là là. Il faudrait qu'on défonce ça mais...
J'essaie d'observer comment je peux péter ça là. Là. Là, effectivement, on veut qu'ils aillent tout droit, mais... Ah, ça c'est bon. Ça je m'en suis rappelé donc. Maintenant. Sphère de vitesse là, on avait dit que ça marchait pas. Hein. Oh, c'est de la merde. J'étais pas sûr que... En fait j'aurais dû essayer tout simplement. Ok, pour moi. Parce que j'ai envoyé les meilleurs techniciens réparer ici. Ça y est, le système fonctionne à nouveau. Bravo. Maintenant que c'est réparé, nous devrions pouvoir utiliser l'ascenseur. Cette fois, à nous le quartz facile. Juste petite question. Ah, ce truc auquel j'ai pas accès, je suis sûr qu'il y a quelque chose. Triangle. Le grand ravageur est maintenant disponible. Cool. Je crois que tout est dit. Désolé, pas de cellule ouverte. Oh, j'en ai 25 là quand même. Je
Booste-moi ce bijou. Les dégâts, les éclats explosent après un moment, infligeant ainsi des dégâts supplémentaires. Hop. Mais arrêtez de me passer devant. Fais monter ce bijou en niveau pour plus d'amélioration. Il y a des armes que j'utilise pas assez souvent. Oui. Donc on a dit c'était de quel côté? Ah ouais, il y a ce truc là-haut là. En quoi ça m'avance du coup? Ah putain, ok. Ça m'avance à ça. Donc... comment faire? Mais explose! Merci. N'est-ce pas? Ah putain, pardon. Alors... ils veulent pas, d'accord. Voilà.
Ça, c'est forcément par là que je passe, donc... Comment je peux faire ? Oh non. Oh zut. Peut-être que je peux y aller avec ça. On est rentré par là. Bah ouais, mais non. Pas que ce soit comme ça. Alors comment ? C'est que je peux pas. À ton avis, c'était qui cette personne dans ma dimension? L'inconnu là. Je n'ai rencontré personne comme elle sur Blizzard dans ma dimension. Voilà, j'espère que vous avez tous bien vu à quel point j'étais aveugle. Hop là. Hmm.
Ah, ça revient, c'est bon. J'aurais dû faire un truc plus lent encore. Alors, next. Il me manque quand même une grosse vis. Ouais, je suis désolé. J'avais pas fait exprès. Oh, désolé. Il nous reste qu'à utiliser la foreuse, récupérer le quartz phasique et réparer le dimensionnateur. Au cas où l'occasion ne se représenterait pas, je tiens à te remercier. C'est pas le moment de sortir les violons, Boulon. On n'a pas encore fini. Les violons, Boulon. Non, merde. Elle se fait chier, elle. Oula, Oh non, regarde. Revoilà le gang de l'hiver. Pas de problème, je m'en occupe. Sur Blizzard dans ta dimension. On le saura bientôt, et on empêchera que ça arrive dans cette dimension. J'ai aucune idée d'où est le... la dernière grosse vis. J'ai pas déjà dit il y a 2 secondes ça. Saute sur le côté. Sur le côté, tu dis ? Quelque chose me préoccupe. Quoi ? Nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé sur Blizzard dans ta dimension. On le saura bientôt. Et on empêchera que ça arrive dans cette dimension. On est coincé là. Où je tape? Quelque chose me préoccupe. Quoi? Nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé sur Blizzard dans ta dimension. On le saura bientôt. Et on empêchera que ça arrive dans cette dimension. On est coincé là. Ah, exact. D'accord. Quelque chose me préoccupe. Quoi? Nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé sur Blizzard dans ta dimension. On le saura bientôt. Il ne m'empêchera que ça arrive dans cette dimension. Ah, il y avait ça là-haut. J'avais pas vu. C'est quand même pas compliqué de décrocher. Il est découpé. Personne n'est du Peut-être que c'est quelque part par là. Peut-être que c'est de l'autre côté, je vais voir. Non, il n'y a que dalle de l'autre côté. Ah zut! Yeah.
sommes tout près de la foreuse principale. Wow. Wow. Depuis toute petite, de piloter une foreuse 100 fois plus grosse que moi. C'est un rêve étonnamment concret. Plus c'est concret, plus c'est réalisable. Lombax, Rambo, j'ai une super nouvelle. J'ai déchiffré le message venu d'ailleurs. Écoutez ça. Enfin, ça fonctionne. Écoutez. Ne démarrez pas la foreuse. Les failles l'ont endommagée. La foreuse a détruit notre blizzard. Quoi? Mais on vient de la mettre en route. Abritez-vous. Verrouillage activé. Je vais essayer de l'éteindre à distance. C'est pas vrai. Oh là là, on est mal. De la foreuse. Je vais le récupérer avec mon marteau. Vas-y, doucement, s'il te plaît. Doucement, doucement. Oui. Oui. Oh, sérieusement. Nous devons nous dépêcher de regagner l'autre dimension. Zut. Améliorer ça aussi. Voilà, c'était le dernier. Il y a forcément un moyen de rentrer. On va trouver. Il est là. Ça veut dire de quelle tête? Ah, il s'emmerde. Merde. Oh, mais ça explose pas? Oh. Merde alors. Aïe. Bon allez. Tu as une idée en tête? Tu vois cette navette? Elle est grosse et lourde. Pleine de carburant aussi. Elle pourrait se transformer en bombe à tout instant. Oui. De quelle navette si tu parles? Pour percuter la foreuse, on pourrait la déplacer et l'empêcher de détruire la planète. Tout en normal, je dirais que c'est contraire au protocole, mais vu le contexte pré-post-apocalyptique, vous avez mon feu vert. Dans ce cas, qu'est-ce que nous attendons? Bonjour. Ici votre meilleur ami, Jim. Jim. Abstenez-vous de mourir, s'il vous plaît. J'ai effacé mon répertoire de bruit triste que nous sommes devenus meilleurs amis.
coupable. Ah, c'est ça qu'il faut que... Un bruit triste serait de circonstance. Ah. Ah, c'était 7 navettes. D'accord. Sûrement de paraître complètement dingue, mais chez les Morks, des légendes parlent de quelqu'un sur Tauren 4 appelé le réparateur. Si c'est démoli, le réparateur peut le réparer. Dans ce cas, nous allons vérifier si ces légendes disent vrai. J'en reviens pas qu'on ait sauvé Blizzard. Et si on réparait ce quartz phasique pour sauver l'univers maintenant? Ok, Boulon, allons trouver le réparateur. Si tu as raison, et que le réparateur est en mesure de réparer le quartz phasique, nous aurons réussi l'impossible. Les Morks m'ont toujours dit du bien de lui. Et tu peux me croire, ils sont incapables de mentir. Dans ce cas, peut-être avons-nous encore une chance de sauver les dimensions. Je voulais juste admirer. Ah là là. Bon. Donc on sait pas où est... le dernier bidule. C'est quoi ça? Allez au centre d'exploitation. Non, bah non. Mais c'est très gentil de demander. Là par contre... Paf! Tu veux pas me parler? Ah mais c'est forcément dans l'autre dimension. Revenir en arrière, ok. Il faut aller vachement loin. Je peux pas repartir, très bien.
Je suis obligé de me re-téléporter après, quoi. C'est pas bien grave. On n'est pas très loin. C'est long. C'est long. Oui. Merci. Alors. Bon, il nous manque un truc ici, voilà. Vous entendez? Je suis en train de détruire des mensonges. Voilà ce que vous entendez. De très vilains mensonges. Ils disent que cette dimension est instable, que nous sommes aspirés par un vide informe. Ah, c'est faux! Et si vous n'êtes pas d'accord, je vous ordonne de jeter vos yeux dans l'incinérateur le plus proche, car ils sont clairement défectueux. Par-dessus tout, les vandales Lombax ne se sont pas échappés. Quoi? Pour cela, faudrait déjà que je les ai attrapés, bande d'idiots! Tiens! Vous voulez de la vérité? Un prix pour les Lombax passe désormais à 27 plus billions de Nefariouls! Regardez-moi ça! C'est énorme! C'est vrai! C'est énorme! Inventé. Et tout ça, c'est pour vous si vous arrivez à m'attraper! Ces maudits Lombax! Le docteur Nefarious ne reculera devant rien pour nous attraper. On ferait mieux d'y aller. En effet. C'était où le... Il y a des tas de récompenses qui n'attendent que moi à l'arène. Et là, non? Moi, ça me va. Ah bah si ça te va, ça me va. Hé, salut. Vous savez pourquoi on ferait pas un petit tour dans l'arène? L'apostrophe arène. Où va venir? Déjà, c'était là le truc. Voilà. Oh, il y en a trois autres. The fuck? Je peux pas lui monter dessus. Ça, j'ai déjà fait. Ouais. La recette de citronnade de morque avance tout doucement. Revenez
Quelle fusillade. Mais pourquoi elle boude ? C'est fou ça. Je te trouve bien silencieux là derrière. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai peut-être un peu sous-évalué la difficulté de fabriquer un dimensionnateur. Un petit peu. Ouais, enfin, on savait tous que ce serait pas une mince affaire. Certes, mais le quartz phasique est un des matériaux les plus rares et précieux de tout l'univers. Je vais... Bienvenue, chers fans et chers amis. Ce soir, Urgon Junior va soumettre Rivette à l'épreuve ultime. Nous allons voir ce qu'elle peut faire, munie d'un simple exécuteur. Bah, yes. Alors le truc c'est que je suis mort par mes propres moyens. Là. Oh, salaud. Tu as combien, hein? 18 sur 25. Aïe. Non. Oh, j'ai presque réussi là, voilà. Ça a marché quand même? Putain, ça a pas marché. Je suis mort pile au même moment. Merde. Pardon. Non. Putain. Non.
Merde alors. De PV. T'as encore une fois. Hein. Allez, on y retourne. Putain, ils m'ont tiré dessus alors que j'étais sur le bidule. Mais ça vraiment? Mais ça m'arrivait pas les fois d'après. Ouais, c'était de la merde. Par contre, les deux fois où je me suis fait... Je me suis fait ken sur le... Enfin, sur les murs, là. C'est vraiment pas juste. Voilà. Enfin. Michel. Par exemple, les marécages d'acide hautement corrosif de
Merde. Bon, jusqu'à présent, c'est pas très dur. D'accord. Aha ! Le dernier, c'est quoi ? Battre le gros gore squelettique. Allons-y. Alors. Oh zut, zut alors. Ça fait pas tant de dégâts que ça, hein, c'est fou. Elle s'appelle Sue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça. Allô? Nice. Quel badass. Ça c'est encore verrouillé donc. Bon. C'est toujours ça de prix. Je te trouve bien silencieux là derrière. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être un peu sous-évalué la difficulté de fabriquer un dimensionnateur. Un petit peu. Ouais, enfin, on savait tous que ce serait pas une mince affaire. Certes, mais Un instant. Tu l'achètes? Ah, alors. Logis supplémentaire peut être verrouillé et lancé simultanément. Je sais que cette amélioration va te plaire. Oh oui. Vas-y, améliore ça. Pas à tonnerre, toujours pas. Hein. 55%. Lui, 36%.
Je vais améliorer ça. Voilà. Alors, certes, mais... Merci d'avoir choisi Madame Surco. Alors, certes, mais... le quartz phasique est... Un des matériaux les plus rares et précieux de tout l'univers. Je vois. Bien. Allô? Pas oublié, Trudy. Ouais, il m'a pas oublié. Si quelqu'un peut fabriquer un nouveau dimensionnateur, c'est bien Ratchet. YouTube, c'est la fin de cette VOD.